Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Vatican, Vatican News. Bonsoir à tous et bienvenue pour ces vêpres, aujourd'hui présidées par le pape François. Ce sont les vêpres écuméniques qui commencent la semaine de prière pour l'unité des chrétiens en ce vendredi 18 janvier en la basilique Saint-Paul hors les murs. Avec vous ce soir, sœur Catherine Aubin. Je salue particulièrement tous nos téléspectateurs et auditeurs, que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne et dans toute l'Europe francophone, mais aussi en Afrique, en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, au Gabon, en Guinée, équatoriale, à Haïti, à Madagascar, au Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad, au Togo, au Ghana, en Guinée-Bissau, au Maroc, en Mauritanie ou encore en Tunisie, sans oublier nos frères d'Amérique du Nord, francophones, ceux du Canada et particulièrement ceux du Québec. À tous, j'adresse pour ces vêpres qui commencent la semaine de l'unité, mes plus sincères salutations. En ce début de semaine, de prière pour l'unité des chrétiens, le pape François préside ce soir les vêpres dans la basilique romaine de Saint-Paul hors les murs. Et cette liturgie que nous allons bientôt suivre et qui commence par cette grande procession où vous voyez, pour ceux qui peuvent nous suivre, le pape arriver à qui il termine cette procession composée de membre de différentes confessions. Il est accompagné par le cardinal Cor du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le pape arrive donc à l'autel central de la basilique Saint-Paul hors les murs et il va descendre se recueillir sur les restes de l'apôtre Paul. Traditionnellement, vous le savez, les papes président les vêpres pour la clôture et non pas pour l'ouverture de cette semaine de prière à Rome en présence des représentants des différentes confessions chrétiennes le 25 janvier. Mais cette année est un peu particulière puisque le pape François va s'envoler dans quelques jours, mercredi, pour Panama, pour la journée mondiale de la jeunesse et il ne reviendra que le lundi 28 janvier, d'où ce changement aux habitudes romaines et écuméniques. Le thème de cette grande semaine de prière, choisi par les églises d'Indonésie, est « Tu rechercheras la justice, rien que la justice ». C'est un extrait, une citation, un verset du livre du Deutéronome au chapitre 16, verset 18. Le thème et les textes bibliques sont préparés conjointement par le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et la Commission Foi et Constitution du Conseil œcuménique des Églises. Pourquoi ce pays d'Indonésie qui a préparé cette prière pour l'unité? L'Indonésie est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est avec 17 000 îles, 1340 groupes ethniques et 740 langues. Et elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre est aujourd'hui menacé par de graves problèmes. La corruption est présente sous plusieurs formes. Elle pervertit les relations sociales et accroît les situations d'injustice. Et donc, animés par ces inquiétudes, les chrétiens d'Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la justice » était un appel particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens. Et donc, ils nous proposent de prier avec ces versets. La paix est un des fruits de la justice, elle est le fruit de la justice et elle est semée. Justice et paix sont donc
intimement liés. De même qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas non plus d'unité sans justice. L'injustice a nourri les divisions entre les chrétiens. Le chemin d'unité chrétienne passe donc non seulement par la réconciliation, mais également par la justice et le respect des minorités. Et cela est vrai pour le Conseil œcuménique des Églises, comme pour toutes les Églises dans les pays du monde. La quête de l'unité dans la diversité, comme l'exprime la devise de l'Indonésie, rejoint donc particulièrement cette année ceux qui prient pour l'unité telle que le Christ la veut. Le cardinal Cor, qui donc accompagne le pape ce soir, a donné un entretien cette semaine, à la veille de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et il disait « La division est une grande souffrance, contraire à la volonté du Seigneur. » Redécouvrir l'unité, disait-il encore, signifie vaincre l'injustice de la division. Le cardinal Cor, suisse, a ainsi appelé l'Europe à redécouvrir son unité dans la pluralité des cultures qui la composent, l'exhortant à mettre en œuvre une unité réconciliée. Nous voici donc à l'entrée de ces vêpres, nous les commençons. Seigneur, viens à mon aide, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et nous écoutons maintenant l'hymne qui démarre ces vêpres du vendredi de la première semaine. Ô Dieu créateur de l'homme, qui a commandé à la terre de produire toute espèce de reptile, donne-nous la récompense de la joie, donne le don de la grâce. Nous allons écouter maintenant le psaume 40 avec l'antienne « Sauve-moi, Seigneur, guéris-moi, j'ai péché contre toi ».
Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, le Seigneur le sauve au jour du malheur. Il le protège et le garde en vie. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance, si malade qu'il soit, tu le relèves. J'avais dit, pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis me condamnent déjà, quand sera-t-il mort, son nom effacé? Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides. Il emplit son cœur de pensées méchantes. Unis contre moi, mes ennemis murmurent, à mon sujet ils présagent le pire. Même l'ami qui avait ma confiance et partageait mon pain m'a frappé du talon. Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi, relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours. Amen. Sì, benedetto Signore, da sempre e per sempre, abbi pietà di noi, risanaci poiché abbiamo peccato, veglia su di noi, non permettere che prevalga il nemico della nostra gioia, della nostra santità e della vera comunione con te e tra noi. Ammettici, Signore, alla tua presenza e canteremo in eterno le tue lodi per Cristo nostro Signore. Amen. C'était l'oraison qui concluait le psaume 40 et maintenant nous allons chanter le psaume 45. Avec l'antienne, Dieu est pour nous une aide dans les angoisses.
Dieu est pour nous refuge et fort secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée et si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Ces flots peuvent mugir et s'enfler, les montagnes trembler dans la tempête. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable, quand renaît le matin, Dieu la secourt. Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent, quand sa voix retentit, la terre se défait. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, comme il couvre de ruines la terre. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers. Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Donne-nous, Seigneur, un regard contemplatif pour scruter tes prodiges et confirme ainsi que tu es notre seul Dieu. Ton bras puissant, qu'il vainque les guerres et nous conduise à la paix et nous rendre participants de la beauté de la ville dans laquelle tu demeures. C'est maintenant le cantique du Nouveau Testament. Avec l'antienne grande, merveilleuses sont tes œuvres. No.
grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giusto e verace le tue vie, o Re delle genti. Grandes, merveilleuses tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers, ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint, oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, oui, ils sont manifestés tes jugements. C'est maintenant le moment de la parole de Dieu dans la lettre de saint Paul aux Romains. Noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare. C'est un devoir pour nous les forts de porter l'infirmité des faibles et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien pour édifier. Le Christ, en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. Conterai sette settimane. C'est maintenant l'extrait du Deutéronome, dont le titre de la semaine de prière, de la prière des chrétiens pour l'unité des chrétiens est tiré. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 16, tu compteras sept semaines. Dès que la faucille commence à couper les épis, tu commenceras à compter les sept semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines en l'honneur du Seigneur ton Dieu, avec l'offrande volontaire qui fera ta main. Ton offrande sera la mesure de la bénédiction du Seigneur ton Dieu. Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom. Et avec toi se réjouiront ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui réside dans ta ville, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et tu veilleras à pratiquer ses décrets. La fête des tentes, tu la célébreras pendant sept jours, lorsque tu auras rentré le produit de ton aire à grains et de ton pressoir. Tu la fêteras dans la joie, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite et l'immigré, l'orphelin et la veuve qui résident dans ta ville. Durant sept jours,
Tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur. Car le Seigneur ton Dieu t'aura béni dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, et tu seras rempli de joie. Trois fois par an, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et la fête des tentes, tous les hommes paraîtront devant la face du Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi. Ils ne paraîtront pas les mains vides devant la face du Seigneur, mais chacun fera de sa main un don à la mesure de la bénédiction que le Seigneur ton Dieu t'aura donnée. Dans toutes les villes que te donne le Seigneur ton Dieu, tu établiras des juges et des scribes sur tes tribus. Ils jugeront le peuple en de justes jugements. Tu ne feras pas dévier le droit, tu n'agiras pas avec partialité et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les sages et compromet la cause des justes. C'est la justice, rien que la justice, que tu rechercheras afin de vivre et de prendre possession du pays que te donne le Seigneur ton Dieu. Nous avons donc entendu un extrait du Deutéronome au chapitre 16, versets 9 à 20. C'est de cette lecture qu'est tiré le thème de cette semaine pour l'unité des chrétiens. Tu rechercheras la justice, rien que la justice. Et nous entendons maintenant l'homélie du pape François. Aujourd'hui a commencé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, au cours de laquelle nous sommes tous invités à invoquer de Dieu ce grand don. L'unité des chrétiens est un fruit de la grâce de Dieu et nous devons nous disposer à l'accueillir avec un cœur généreux et disponible. Ce soir, je suis particulièrement heureux de prier avec les représentants des autres églises présentes à Rome, auxquels j'adresse un cordial et fraternel salut. Je salue aussi la délégation œcuménique de la Finlande, les étudiants de l'Ecumenical Institute of Bosse en visite à Rome, pour approfondir leur connaissance de l'Église catholique et les jeunes orthodoxes et orthodoxes orientaux qui étudient ici avec le soutien du comité de collaboration culturelle avec les Églises orthodoxes, travaillant auprès du Conseil pour la promotion de l'unité des chrétiens. Il libro del Deuteronomio immagina il popolo di Israele. Le livre du Deutéronome imagine le peuple d'Israël installé dans les plaines de Moab, sur le point d'entrer dans la terre que Dieu lui a promise. Ici, Moïse, comme un père prévenant et un chef désigné par le Seigneur, répète la loi au peuple, l'instruit et lui rappelle qu'il devra vivre avec fidélité et justice une fois qu'il se sera établi dans la terre promise. Le passage que nous venons d'écouter fournit des indications sur la manière de célébrer les trois principales fêtes de l'année. La Pâque, la Pentecôte, les tabernacles. Chacune de ces fêtes appelle Israël à la gratitude pour les biens reçus de Dieu. La célébration d'une fête demande la participation de tous. Personne ne peut être exclu. Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom, et avec toi se réjouiront ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite qui préside dans ta ville, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. Pour chaque fête, il faut accomplir un pèlerinage dans le lieu choisi par le Seigneur ton Dieu pour y faire demeurer son nom.
Là, le fidèle israélite doit se placer devant Dieu. Bien que chaque israélite ait été esclave en Égypte, sans aucune possession personnelle, personne ne paraîtra les mains vides devant la face du Seigneur. Et le don de chacun sera la mesure de la bénédiction que le Seigneur lui aura donnée. Tous recevront donc leur part de la richesse du pays et bénéficieront de la bonté de Dieu. Non deve sorprenderci il fatto che il testo biblico passi dalla celebrazione. Le fait que le texte biblique passe de la célébration des trois fêtes principales à la nomination des juges ne doit pas nous surprendre. Les fêtes mêmes exhortent le peuple à la justice, rappelant l'égalité fondamentale entre tous les membres, tous également dépendants de la miséricorde divine, et invitant chacun à partager avec les autres les biens reçus. Rendre honneur et gloire au Seigneur dans les fêtes de l'année va de pair avec le fait de rendre honneur et justice à son prochain, surtout s'il est faible et dans le besoin. Les chrétiens d'Indonésie, réfléchissant sur le choix du thème pour la semaine de prière actuelle, ont décidé de s'inspirer de ces paroles du Deutéronome. C'est la justice, rien que la justice que tu rechercheras. En elle est vivante la préoccupation que la croissance économique de leur pays, animée par la logique de la concurrence, en laisse beaucoup dans la pauvreté, permettant seulement à un petit nombre de s'enrichir grandement. C'est mettre en danger l'harmonie d'une société dans laquelle des personnes de différentes ethnies, langues et religions vivent ensemble, partageant le sens d'une responsabilité réciproque. Mais cela ne vaut pas seulement pour l'Indonésie. Cette situation se rencontre dans le reste du monde. Quand la société n'a plus comme fondement le principe de la solidarité et du bien commun, nous assistons au scandale de personnes qui vivent dans l'extrême misère à côté de gratte-ciel, d'hôtels imposants et de luxueux centres commerciaux, symbole d'une richesse éclatante. Nous avons oublié la sagesse de la loi mosaïque, selon laquelle si la richesse n'est pas partagée, la société se divise. Saint Paul, écrivant aux Romains, applique la même logique à la communauté chrétienne. Ceux qui sont forts doivent s'occuper des faibles. Il n'est pas chrétien de faire ce qui nous plaît. En suivant l'exemple du Christ, nous devons en effet nous efforcer d'édifier ceux qui sont faibles. La solidarité et la responsabilité commune doivent être les lois qui régissent la famille chrétienne. Comme peuple saint de Dieu, nous aussi sommes toujours sur le point d'entrer dans le royaume que le Seigneur nous a promis. Mais en étant divisés, nous avons besoin de rappeler l'appel à la justice que Dieu nous a adressé. Même parmi les chrétiens, il y a le risque que prédomine la logique connue des Israélites dans les temps anciens et du peuple indonésien au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans la tentative d'accumuler des richesses, nous oublions les faibles et les personnes dans le besoin. Il est facile d'oublier l'égalité fondamentale qui existe entre nous, qu'à l'origine nous étions tous esclaves du péché et que le Seigneur nous a sauvés
dans le baptême, nous appelons ses fils. Il est facile de penser que la grâce spirituelle qui nous a été donnée est notre propriété, quelque chose qui nous revient et qui nous appartient. Il est possible, en outre, que les dons reçus de Dieu nous rendent aveugles sur les dons faits aux autres chrétiens. C'est un grave péché de diminuer ou de mépriser les dons que le Seigneur a concédés aux autres frères en croyant qu'ils sont en quelque sorte moins privilégiés de Dieu. Si nous nourrissons des pensées semblables, nous permettons que la grâce elle-même reçue devienne source d'orgueil, d'injustice et de division. Et comment pourrons-nous alors entrer dans le royaume promis? Le culte qui sied à ce royaume, le culte que la justice demande, est une fête qui concerne tout le monde, une fête dans laquelle les dons reçus sont rendus accessibles et partagés. Pour accomplir les premiers pas vers cette terre promise, qui est notre unité, nous devons surtout reconnaître avec humilité que les bénédictions reçues ne sont pas nôtres de droit, mais qu'elles sont nôtres par don et qu'elles nous ont été données afin que nous les partagions avec les autres. En second lieu, nous devons reconnaître la valeur de la grâce concédée aux autres communautés chrétiennes. Par conséquent, ce sera notre désir de participer aux dons des autres. Un peuple chrétien renouvelé et enrichi par cet échange de dons sera un peuple capable de marcher d'un pas assuré et confiant sur la voie qui conduit à l'unité. Nous venons donc d'entendre cette homélie du pape François qui nous explique plus profondément le sens du thème de cette semaine pour l'unité des chrétiens. La justice, rien que la justice. C'est maintenant le moment du répond. Le Christ nous aime, il nous a libérés avec son sang. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour notre Dieu. Il nous a libérés avec son sang. Thank you.
Comme il l'avait dit, il a secouru Israël, son serviteur, par Abraham et sa descendance. Il a relevé les humbles pour toujours. C'est l'antienne du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour. Comme tu l'avais dit, tu as secouru Israël, ton serviteur, en faveur d'Abraham et de sa descendance,
tu as relevé les humbles pour toujours. C'est maintenant le moment des intercessions. Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili. Béni soit Dieu, qui exauce les pauvres et les humbles, les comble de ses biens. Vers lui tournons avec foi notre demande. Montre-nous, Père, ta miséricorde. La prière sera d'abord en grec. Soulève, ô Père tendre, relève, ô Père tendre, les membres douloureux de ton Église par le sang de Christ. En ce moment, pendant les... il a donné son sacrifice sur la croix. En géorgien, libère les opprimés, illumine les aveugles, secours les orphelins et les veuves. En français. Revêt-nous de ton amour pour que nous puissions résister aux assauts du malin. En malayalam. Guide-nous pour accomplir la prière de ton Fils Jésus qui veut que nous soyons un et rends-nous capables de travailler ensemble pour rendre ce monde une demeure de justice et de paix pour toute l'humanité. En arabe, assiste tes enfants, ô Seigneur miséricordieux, au moment de la mort, qu'ils soient trouvés fidèles et partent dans ta grâce de ce monde. En finlandais, accueille dans la lumière de ta demeure nos défunts pour qu'ils puissent contempler ton visage pour l'éternité. Concedi
Accorde à tes fidèles, Seigneur, la sagesse de la croix, afin qu'illuminés par la passion de ton Fils, nous portions de façon généreuse son doux joug. Lui qui est Dieu et vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est maintenant le tour du cardinal Cor, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, d'adresser un salut au pape François. Très Saint-Père, pour conclure cette célébration des Vêpres qui commence cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous adresse un salut chaleureux et vous remercie d'avoir voulu présider aussi cette année la célébration des Vêpres, démontrant ainsi combien cela vous tient à cœur, l'unité des chrétiens. Je vous remercie au nom de tous les fidèles réunis ici en prière qui appartiennent à diverses églises et communautés ecclésiales chrétiennes. Elles sont venues ici unies par le désir de réaliser la volonté de notre Seigneur qui veut que nous soyons tous une seule chose. À cause de son voyage imminent apostolique à Panama, où se déroulera la 34e Journée mondiale de la jeunesse, Très Saint-Père, vous avez fêté avec nous les Vêpres, non pas à la fin de la semaine de prière, mais à son début. Cela nous rappelle encore plus que la prière pour l'unité est le fondement de tout effort écuménique. Effectivement, à l'origine du mouvement écuménique, c'était justement l'introduction de la semaine de prière, et c'est ce qui prit forme comme initiative écuménique. Sans le mouvement de prière, le bateau écuménique n'aurait jamais lâché le port. Ce courant de prière doit accompagner aussi chacun de nos efforts écuméniques, comme vous l'avez très bien souligné dans votre discours adressé aux participants d'un colloque écuménique. L'engagement écuménique répond en premier lieu à la prière du Seigneur Jésus et se base essentiellement sur la prière. Avec cette prière, nous, chrétiens, nous exprimons notre conviction de foi selon laquelle nous ne sommes pas capable de faire l'unité avec nos propres forces, ni pouvons définir la forme et le temps de la réalisation, mais nous pouvons seulement la recevoir comme un don de l'Esprit Saint. L'unité est un don. C'est gratuit. C'est une grâce. Cela nous est rappelé aussi par la déclaration sur la doctrine de la justification qui a été signée il y a 20 ans à Augsbourg le 31 octobre 1999 par la Fédération luthérienne mondiale et par notre Église. Nous confessons ensemble que nous ne sommes pas justes en bas à cause de nos propres forces, mais nous sommes justifiés par le mérite du Christ. C'est ainsi seulement que nous pouvons nous engager aussi en faveur de la justice, comme le thème nous exhorte à le faire de cette semaine de prière de cette année, chercher à être vraiment juste. Très Saint-Père, nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre engagement passionné en faveur de l'unité des chrétiens.
chrétiens. Nous vous promettons d'accompagner avec notre prière votre ministère pétrinien ainsi que votre voyage apostolique à Panama. Et nous vous demandons, s'il vous plaît, votre bénédiction apostolique. C'est maintenant le moment de la bénédiction que le pape François va donner. Avec les participants de différentes confessions chrétiennes. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Che soit béni le nom du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite in pace. La procession s'achemine maintenant vers l'allée centrale de la basilique Saint-Paul hors les murs. Elle chante le chant final qui va conclure définitivement ses vêpes. Le pape va saluer maintenant différents représentants de ces différentes églises chrétiennes pour manifester encore plus son désir d'unité. Je vous rappelle donc le thème de cette semaine pour l'unité des chrétiens. Tu rechercheras la justice, rien que la justice, tirée du chapitre 16 du livre du Deutéronome, dans les versets 18 à 20. Mercredi, comme vous l'avez entendu, commenceront à Panama les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape sera présent là-bas. Vous pourrez suivre ces journées avec Vatican News et tous les reportages qui suivront le pape tout au long de ces Journées mondiales de la jeunesse à Panama. C'est sur ces images de fraternité, ces images qui veulent nous dire le désir d'unité entre le chrétien, entre tous les chrétiens, de rechercher la justice et rien que la justice, que nous allons nous quitter. Et à tous ceux qui ont pu nous suivre pour cette célébration des Vêpres, pour démarrer cette semaine de l'unité, j'adresse mes plus fraternelles salutations. Vous étiez en direct sur Radio Vatican, Vatican News, Laudetur Jesus Christus.